bienvenue à une nouvelle chronique santé. Mon nom est Laurent Carbonneau, je suis pharmacien chez Uniprix. Et aujourd'hui, la chronique santé va porter sur la tension artérielle. On se demande souvent ce que c'est que la tension artérielle. La tension artérielle, c'est aussi appelé la pression. C'est la force qui fait en sorte que le sang circule dans nos vaisseaux sanguins. La pression va être plus élevée lorsque le cœur bat et va être moins élevée entre les battements du cœur. On obtient donc deux valeurs lorsqu'on prend la pression. La plus haute, c'est la tension artérielle systolique lorsque le cœur bat, et la plus basse, c'est la tension artérielle diastolique entre les battements du cœur. En général, lorsqu'on mesure la pression, on vise une tension artérielle en bas de 140 sur 90. Pour les gens qui souffrent de diabète ou encore de maladie du rein, on vise une pression artérielle encore plus basse. Pour les gens diabétiques, on visera en bas de 130 sur 80. En général, lorsque notre pression est plus élevée que 140 sur 90, on dira qu'on fait de la haute pression. Plus la pression est élevée, plus elle peut causer des dommages. On sait que la haute pression peut endommager le cœur, les vaisseaux sanguins, les reins et aussi les yeux. On va même parler de la haute pression comme étant un tueur silencieux, puisque ça peut ultimement mener à la mort sans qu'on ait ressenti aucun symptôme. Parfois, on peut ressentir un mal de tête lorsqu'on a de la haute pression, mais habituellement, la haute pression passe inaperçue, d'où l'importance de prendre sa pression de temps à autre. Il est important de savoir que seulement un médecin peut poser un diagnostic de haute pression. C'est pourquoi on va généralement découvrir qu'on fait de la haute pression lors d'un examen de routine chez notre médecin. On doit savoir aussi qu'il existe différents appareils de prise de pression en pharmacie qu'on peut utiliser pour prendre notre pression. On peut alors noter le résultat, l'heure et la date et présenter ces résultats-là à notre médecin. Ça va l'aider à poser un diagnostic. On retrouve tout d'abord l'appareil de prise de pression libre-service qui permet de prendre sa pression tout à fait gratuitement en pharmacie chez Uniprix à Chandler. On doit tout simplement passer notre bras à travers un brassard puis peser sur le bouton démarrer. Le brassard va gonfler autour de notre bras puis dégonfler. Une fois la prise de pression terminée, il y a un biais qui va sortir de l'appareil nous indiquant les résultats de notre prise de pression. Il existe en pharmacie différents appareils de prise à pression qu'on peut utiliser à la maison. En voici quelques exemples. Je recommande souvent des appareils qui sont automatiques, donc qui sont plus faciles à utiliser. On doit seulement peser sur un bouton pour que le brassard gonfle autour de notre bras et que la mesure de la pression se fasse. Je vais faire une démonstration d'un de ces appareils-là pour vous montrer comment prendre sa pression correctement. Je vais maintenant faire une démonstration d'une prise de pression comme on pourrait le faire à la maison. La première chose à faire, c'est de s'asseoir confortablement, bien au fond de la chaise, le dos à côté au dossier. On doit garder les jambes décroisées, les pieds qui touchent à terre. On doit s'asseoir au moins 5 minutes avant de prendre sa pression. C'est très important puisqu'on va avoir une pression au repos. Lorsqu'on est prêt, on accote notre bras sur une surface plane. Le bras doit être à un angle de 90 degrés et le bras doit être environ au niveau du cœur. Donc on va ensuite passer le bras au travers du brassard. Pour bien placer le brassard, il faut qu'il soit situé environ deux doigts au-dessus du pli du coude, comme ceci. Je vais le serrer à ce niveau-là. Idéalement, on devrait porter là, un chandail à manches courtes pour que la mesure soit meilleure.
Donc, le brassard est deux doigts au-dessus du pli du coude et on ne doit pas trop serrer le brassard. Il faut être capable de passer un ou deux doigts sous le brassard. Une fois que c'est fait, donc mon brassard est dans la bonne position, je suis maintenant prêt à prendre ma pression. Je vais peser sur le bouton « Démarrer ». Et le brassard va gonfler puis dégonfler. On va prendre la mesure dans le silence pour avoir le meilleur résultat. Ma pression ici est donc de 132 sur 89 et mon pouls de 72. Donc ma pression est dans les valeurs cibles, les valeurs voulues. Et l'appareil gardera en mémoire ma pression. Voici quelques conseils qui vous permettront de prendre correctement votre pression. Ne fumez pas et ne buvez pas de café durant 30 minutes avant de prendre votre pression. Assoyez-vous et détendez-vous pendant au moins 5 minutes avant la prise de la pression. Déposez votre bras sur une surface plane au niveau du cœur. Utilisez un brassard qui convient à la circonférence de votre bras. Assurez-vous d'avoir la vessie vide au moment de la prise de pression. Finalement, évitez de parler durant la prise de pression. Voici quelques moyens pour bien contrôler l'hypertension. Ces conseils-là sont aussi valables pour ceux qui n'ont pas encore de haute pression ou qui veulent la prévenir. Avoir une alimentation variée, incluant des fruits et des légumes. Manger moins gras. Réduire sa consommation de sucre. Limiter son apport en sel. On ne veut pas avoir plus de 2000 mg de sodium par jour. Ne pas fumer. Ne pas boire plus de 2 consommations d'alcool par jour. Maintenir un poids santé. Et apprendre à gérer le stress. Lorsque la pression demeure élevée, malgré un changement des habitudes de vie, on peut avoir recours à des médicaments pour bien contrôler la pression. Ces médicaments-là sont prescrits par un médecin et doivent généralement être pris à long terme. Il en existe différentes sortes, c'est pourquoi c'est important de choisir un médicament qui sera bien adapté pour nous. Les pharmaciens chez Uniprix sont là pour bien vous conseiller, bien vous accompagner là-dedans. N'hésitez pas à les consulter si vous avez des questions au sujet de la haute pression. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre conseil santé Uniprix.